Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue et ravi de vous accueillir pour ce webinaire organisé par l'Agence nationale de cohésion des territoires autour de la thématique comment co-construire la politique culturelle locale avec les habitants. Alors, on va commencer dans 2-3 minutes, le temps que tous les participants et participantes de la salle d'attente se connectent dans cette salle virtuelle. Et en attendant, je vous propose de vous renommer nom, prénom et d'allumer votre caméra pour passer un temps convivial et un moment propice à la conversation. Bonjour. 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 Okay. Bonjour. 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 Voilà. Je vais commencer, mais je sais pas parce que celle-ci, c'est parce que celui-là, je dois faire les deux. C'est vachement bien, ça. J'ai piqué mes gosses. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire organisé donc, par l'Agence nationale de cohésion des territoires. On va commencer dans quelques instants. N'hésitez pas à vous renommer nom, prénom, à allumer votre caméra et aussi à couper votre micro pendant que la personne parle. Nous allons commencer là dans quelques instants, le temps que tous les participants de la salle d'attente se connectent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est plus de 250 participants et participantes à assister et à contribuer à ce webinaire. Donc, le temps d'échange s'annonce très riche. Bonjour, Walia Sekaldi, ville de Bourges. Bonjour. Ah tiens. Bonjour. Oui. Bonjour Alain Milianti de l'Association des usagers des bibliothèques de Marseille. Bonjour. Bonjour Rémi de Montaigne de l'UNADEL. Bonjour Rémi. Affichage en mosaïque. C'est ça, en haut. Alors, je vous invite aussi à prendre connaissance, on vous a partagé, et notamment Jean-Rival qui va m'assister pendant ce webinaire, des petites règles du jeu. Donc, n'hésitez pas à allumer votre caméra, à couper votre micro pour que une personne prend la parole. Mais non, là, on ne les entend pas. À interagir dans le chat. Ouais. Oui, ça a commencé. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. 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 Gilbert Sekaldi, Marseille. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue et ravi de vous accueillir donc pour ce webinaire organisé par l'Agence nationale de cohésion des territoires autour de la thématique comment co-construire la politique culturelle locale avec les habitants. Alors, je vous invite à couper votre micro parce qu'on est aujourd'hui beaucoup de participants, plus de 200 participants qui vont assister et contribuer à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à couper votre micro. On va attendre encore quelques instants pour commencer le temps que l'ensemble des participants et participantes se connectent et rejoignent cette salle virtuelle. En attendant, je vous invite à vous renommer et à allumer votre caméra pour passer un temps convivial lors de ce temps d'échange autour donc, de la thématique des politiques
culturel. Bon. Je vous propose qu'on commence. Bonjour et bienvenue à toutes et tous, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à ce webinaire qui est organisé donc par l'Agence nationale de cohésion des territoires autour de la thématique « Comment co-construire la politique culturelle locale avec les habitants ?». Alors, on se retrouve pendant un temps d'échange jusqu'à midi. Et malgré le fait qu'on soit toutes et tous à distance dans cette salle virtuelle, ça n'empêche pas de passer un moment propice à l'échange, à la conversation et à la convivialité. Alors, quelques petites règles du jeu avant de commencer. Je vous invite toutes et tous à allumer votre caméra pour qu'on se voit bien comme il faut. Que vous puissiez éteindre votre micro pendant que la personne parle. Et n'hésitez pas aussi à interagir via le chat. Nous sommes aujourd'hui plus de 200 participants et participantes à assister et contribuer à ce webinaire. Alors, au programme aujourd'hui, on va tenter d'ouvrir, de comprendre et décrypter un beau chantier, celui des relations et des alliances actuelles entre la démocratie et la culture, autour des enjeux et des défis liés notamment aux politiques culturelles plus participatives et plus inclusives, aux freins et leviers aussi à l'engagement citoyen en lien avec la question des droits culturels. Et enfin, bien évidemment, les jeux de coopération possibles entre des acteurs diversifiés, que ce soit le ministère de la Culture, les collectivités territoriales ou encore les organisations de la société civile, et plus particulièrement de l'économie sociale et solidaire. Alors, en parlant d'acteurs, on est ravis aussi d'accueillir aujourd'hui donc, les organisateurs de ce webinaire, notamment Mathieu Angotti, qui est conseiller expert, et Morgane Uraski de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Nous avons également, en tant qu'intervenant, Luc Delarmina, qui est co-directeur de l'association Opal, Jean-Michel Lecas, qui est expert et chroniqueur des droits culturels pour Profession Spectacle, Anne-Christine Micheux, qui travaille au ministère de la Culture, et enfin Emmanuel Vergès, qui est co-directeur de l'Observatoire des politiques culturelles. Et enfin, moi, Alexis Desbeaux, je fais partie d'une association qui s'appelle Démocratie ouverte et je serai donc le discutant de cette table ronde qui se déclinera à la fois en interventions croisées, donc des différents intervenants que j'ai pu vous présenter, mais aussi des temps où nous vous laisserons la parole pour que vous puissiez poser vos questions suite aux différentes interventions. Donc, n'hésitez pas à déjà interagir dans le chat, à poser vos questions, à commenter ce temps d'échange, ce sera d'autant plus riche. Je rappelle encore les quelques petites règles du jeu. N'hésitez vraiment pas à couper votre micro parce que nous sommes aujourd'hui plus de 200 participants et participantes. Et allumez votre caméra, comme ça on passe un moment plus convivial. Et sans plus tarder, je vais me tourner vers Mathieu Angotti, qui est donc conseiller expert de l'ANCT, et lui demander pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que c'est que Territoire en commun et quel est l'objet finalement de ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup Alexis. On est hyper contents du nombre de personnes qui sont là virtuellement avec nous. L'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est une agence du gouvernement qui travaille au soutien de
tout un tas de projets menés par les collectivités. Donc, c'est une agence qui intervient sur vraiment beaucoup de choses. Nous, on a une petite mission au sein de cette agence, mais qui est grande dans l'ambition, qui est d'aider les collectivités à travailler différemment avec les citoyennes et les citoyens, à la fois faire appel aux citoyennes et aux citoyens dès qu'elles ouvrent un sujet, un projet, déclenchent une politique publique locale, faire appel à ses habitantes et à ses habitants pour concevoir avec la collectivité cette politique, la mettre en œuvre, l'évaluer derrière. Et puis, en sens inverse, des collectivités qui aussi ont envie d'être présentes aux côtés des habitants quand ce sont eux qui ont des idées ou des projets, que ce soit des individualités, des collectifs, des associations, de se mettre un peu en fonction support, accueil, accompagnement, facilitation des projets des habitants pour faire vivre le collectif à l'échelle locale. Et donc, en ayant cette mission-là d'accompagnement des collectivités sur ces questions de travail différemment avec les habitants, on a essentiellement comme job de les accompagner dans l'acquisition de savoir-faire, de compétences, parce que finalement, cette notion de coopération avec les habitants, ça ne s'improvise pas, ça se travaille. Il faut évidemment avoir l'envie et la motivation pour aller au contact et travailler avec les habitants, mais il faut aussi savoir aller au contact, savoir animer, savoir construire des processus d'élaboration de politiques publiques et de décisions qui donnent leur place aux habitants, savoir être clair sur les règles du jeu, savoir les respecter ensuite, savoir coopérer sur un territoire avec les autres institutions. Enfin bref, il y a plein de savoir-faire, plein de compétences à avoir. Et finalement, notre rôle à l'ANCT, c'est collectivité, commune par commune, communauté de communes et autres, accompagner au fil de cheminement, de montée en compétences pour que les élus et les agents publics apprennent à faire, sachent faire. Et finalement, quand nous, on arrête de bosser, si on a réussi, quand on se retourne, c'est que ces savoir-faire, ces acquis ont été acquis sur place, cette culture, cette façon de travailler avec les habitants, et qu'il n'y ait pas de dépendance, en fait, qu'au contraire, ce soit presque une marque de fabrique locale qui se soit installée. Voilà, ça, c'est globalement ce qu'on essaie de faire. Et une des façons de le faire, c'est territoire en commun. Donc, dans l'idée, c'est de choisir un thème, une thématique de politique publique, de rassembler autour de ce thème des collectivités qui ont envie de travailler sur ces enjeux avec les habitants, puisque c'est notre ADN. Voilà. Et c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, il y a quatre collectivités, quatre villes, Mantes-la-Jolie, Niort, Bourges et Guichen, avec lesquels on s'est entendu pour que ce projet partagé autour de l'action culturelle naisse. Donc, ces quatre villes ont pour objectif, pour ambition, de construire une politique culturelle locale avec leurs habitants. Et pour y arriver, elles sont accompagnées par les équipes de ESOPA et de Cuesta tout au long de la saison 2021-2022, de façon à ce qu'en arrivant l'été prochain, chacune de ces quatre villes ait pu faire adopter en son conseil municipal un plan d'action culturelle locale qui aura la particularité d'avoir été intégralement pensé, construit, imaginé avec les parties prenantes du territoire, à commencer par les habitantes et les habitants. Et puis, comme les quatre travaillent ensemble, parallèlement, évidemment, chacune avec leurs habitants, accompagnées par l'équipe de Cuesta et l'équipe des OPA, notre idée, c'est évidemment d'avoir une petite communauté qui se crée avec ces quatre collectivités, qui est des échanges entre elles, qu'elles profitent des regards croisés. C'est des territoires très différents, mais en même temps qui se confrontent à des problématiques qui sont semblables. Et ça, c'est un peu notre rôle du côté de l'ANCT, d'animer cette communauté, cette petit groupe des quatre. Et puis, de faire en sorte que ça puisse profiter à d'autres aussi. C'est-à-dire qu'on a, du coup, un espace sur Internet, Territoire en commun. On va essayer de raconter cette histoire des quatre collectivités et d'en tirer des leçons, des outils, des pratiques qui pourront, puisque le site il est ouvert à tous et à toutes les collectivités, éventuellement inspirer et donner des idées à d'autres. Là, aujourd'hui, ce séminaire, il se positionne plutôt au début de l'histoire, même si ça a commencé sur les territoires, en disant c'est intéressant de faire appel à des experts pour cadrer les choses et pour que des collectivités, alors à commencer par les quatre, mais même toutes celles que le sujet intéresse,
comme si on définissait un terrain de jeu de manière un petit peu rigoureuse, c'est-à-dire en disant, bah, en fait, c'est des sujets qui ont déjà été, qui ont déjà fait l'objet de réflexions, d'expertises, d'études, etc. Autant commencer par avoir un petit bagage sur la question avant de se lancer sur le terrain à construire. Et donc, c'est un peu dans cet esprit qu'on a proposé ce séminaire, de façon à ce que l'ensemble des collectivités intéressées, celles qui vont être accompagnées, et puis toutes les autres, et c'est ce moment de réflexion partagée qui permet de dire « Ah ouais, ok, on est là-dessus, on est sur ces sujets-là. » Voilà, j'en dis pas plus. J'espère que vous serez passionnés comme nous par à la fois les enjeux culturels et les enjeux de participation qui se croisent aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette présentation. Vous pouvez retrouver notamment du coup, et suivre le projet Partagé Action Culturelle directement sur le site et la plateforme Territoire en Commun. Je fais un pas de côté et je me tourne là plutôt vers Jean-Michel Ducas, qui est expert pour profession spectacle. Et pour lui poser la question, quelles sont finalement les relations et les alliances actuelles entre la démocratie et la culture? Pourquoi finalement intégrer l'engagement citoyen dans les politiques culturelles? Et en quoi ça peut apporter un nouveau souffle aujourd'hui? Et Jean-Michel Ducas, n'hésitez pas à allumer votre micro. Voilà. J'ai fait consciencieusement comme tout le monde. J'avais éteint mon micro, pardon. Non, je voulais dire simplement que la question est redoutable, surtout en 5 minutes. Je vous remercie de l'avoir posée. Ça va être ça fait simple. Je pense qu'elle est redoutable et angoissante aussi, parce qu'il y en a 60 ans de politique culturelle, même plus si on commence à 36, Malraux, Lang, ça fait un gros paquet. Et cette histoire-là, elle est lourde aussi maintenant. Elle est lourde, elle est d'autant plus lourde qu'elle est installée, c'est-à-dire elle est installée avec des équipements, avec des personnels. Moi, quand j'ai commencé, quand j'étais DRAC, il n'y avait pas des élus à la culture partout. Maintenant, on peut dire que chaque commune a son élu à la culture ou pas loin. Donc, on a bien là un héritage, une longue tradition d'une politique culturelle. Et c'est à partir de cette politique culturelle qu'il faut penser ses rapports à la démocratie. On a 50 millions d'expériences. Et on en reparlera tout à l'heure, certainement, avec Luc, avec Emmanuel. On ne manque pas d'expérience, on ne manque pas de choix possible pour essayer d'améliorer la relation entre politique culturelle, secteur culturel et démocratie. Ceci dit, quelles que soient les solutions, quelle que soit la manière de faire, de se concerter, de travailler avec les uns et les autres, il faut pas faire preuve d'angélisme. On a cette expérience-là, elle nous dit bien quelque chose. Elle nous dit bien qu'il y a un écart qui est comme assez grand entre les intentions, disons, démocratiques et puis la manière dont fonctionne ce secteur culturel. Il n'y a pas trop à se faire d'illusions. Je vais prendre juste un seul exemple qu'on aime bien, c'est celui des festivals, par exemple. On a l'habitude de dire, oh, les festivals, c'est bien, ça permet aux gens de sortir, c'est attractif pour le territoire. Je me rappelle à Clisson, le responsable du Leclerc disant, oh, j'ai vendu autant de bières le jour du festival que dans toute l'année, donc, oui, la culture, c'est génial et tout ça, c'est un gros impact. Bon, c'est parfait, sauf qu'à la fin, on a 80% des Français, si on suit l'étude d'Emmanuel Négrier, qui n'ont jamais été dans un festival, et puis parmi les 19 qui restent, qui ont été à un festival, c'est 60% ce qu'il appelle classe supérieure, quoi. Donc, si on cherche la démocratie là, on va avoir un peu de mal. Bon, pas d'angélisme. Heureusement, il y a une multitude d'expériences depuis quelques années partout qui vont vers les habitants pour les faire participer. On va chercher l'habitant, quoi. Et hier, j'étais avec des responsables de centres sociaux disant ben, on voit arriver de plus en plus d'artistes, d'équipes artistiques qui viennent nous dire ben, finalement, on a des sous pour travailler avec les femmes du quartier, avec les jeunes du quartier. On a envie de faire participer, etc.
etc. Ça, bon, tant mieux, c'est beaucoup d'expérience. Ceci dit, si on veut bien prendre les choses au sérieux, comme on le fait là, avec un peu de distance, il y a quand même deux éléments qu'il faut mettre dans la balance par rapport à cette multitude d'actions, d'espoirs, enfin, de perspectives, d'idées que ça va marcher, quoi, que ça va être bien, le rapport aux démocraties, participation et culture. Il y a deux éléments que je voudrais mettre dans la balance dans votre réflexion. Le premier, c'est que cette conception de la politique culturelle, depuis installée en France, hein, et on peut pas en sortir, ce n'est pas moi qui vais dire d'en sortir, c'est la réalité. Mais il faut faire comme attention au fait que cette vision de la politique culturelle, elle est fondée sur une idée, c'est que la culture, elle est matérialisée dans des objets. Elle est matérialisée dans les objets. Quand on dit culture, on dit « Ah, voilà un livre. Ah, ben un livre, c'est culture. Un musée, ah, ben le musée, c'est culture. » Etc., etc. Un concert, c'est culture. On a fini par identifier la question de la culture à des objets, à la matérialiser, où la valeur culturelle est incorporée dans l'objet. Vous prenez un mauvais livre, oh, c'est quand même de la culture. Vous prenez un mauvais concert, c'est quand même de la culture. Et on est piégé avec ça maintenant, c'est qu'une politique culturelle consiste à agir, consiste à produire des objets et à faire en sorte que ces objets soient utilisés par d'autres. Voilà, on est tombé dans une affaire qui renvoie la politique culturelle à la notion de quantité et ne s'intéresse plus vraiment à l'enjeu qualitatif. Alors vous regardez les systèmes d'évaluation, ils sont là, ils sont comme ça, c'est une multitude d'indicateurs, ça énerve tout le monde. Si ce n'est pas des indicateurs, c'est des appels d'offres, on est tombé dans l'espèce de grande soupière qui fait que l'enjeu culturel est renvoyé à des nombres. Voilà, on ne compte que ce qui est compté. J'ai entendu la musique, donc il faut que je m'arrête. Donc si on veut penser démocratie et culture, il va falloir s'interroger sur, effectivement, se glissant vers l'objet culturel qui fait disparaître les personnes et encore plus, enfin les habitants et encore plus les personnes. Merci. C'est ça, beaucoup, j'ai Jean-Michel. Bien entendu la musique, hein, c'est ça? C'était parfait, merci beaucoup Jean-Michel. Il fallait que je m'arrête. Et je vais directement poser une deuxième question, enfin une première question des participants. Vous avez parlé d'un premier élément des relations entre la démocratie et la culture, c'est finalement que les politiques culturelles agissent autour d'objets. Quel est le deuxième élément que vous avez envie de partager avec nous aujourd'hui? Alors, le second élément, c'est qu'on n'est pas condamné à développer des actions à travers des objets culturels ou des actions culturelles. On a une autre perspective possible en termes de responsabilité publique, puisqu'on parle à des collectivités, à des responsables publics. Et je dirais même, et c'est ça qui va être surprenant, c'est que cette opportunité... pour un républicain comme moi, c'est plus un choix, c'est une exigence, c'est une obligation. Il y a 4 lois en France, 4 lois, c'est quand même pas rien pour un élu, pour des services, 4 lois qui exigent, puisque la loi, elle exige, je ne dis pas, faites comme vous voulez, elle exige que les politiques en matière culturelle s'appuient sur le référentiel des droits culturels. C'est fantastique. Depuis 2015, on est en 2022, quasiment 2021. On a 4 lois qui disent, bon voilà, si vous voulez prendre vos responsabilités en matière culturelle, eh bien, il faut penser, en fait, vous devez prendre le référentiel des droits culturels. Ça, évidemment, la loi, c'est pour tout le monde, sauf pour la culture. Donc, on en est là. On a ce schéma-là dans la tête, c'est-à-dire, maintenant, la culture devrait être pensée autrement que simplement comme objet. Et si on prend le référentiel des droits culturels, en un mot, avant que la musique me chatouille les oreilles, eh bien, l'idée de culture est complètement différente. C'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça qu'on ne peut pas aller brutalement, mais l'idée de culture est complètement différente. C'est la question de la barbarie. Il y a culture lorsqu'il n'y a pas barbarie. Et quand est-ce qu'il n'y a pas barbarie? Eh bien, quand l'autre personne, quand soi-même et l'autre personne sont en relation d'humanité. Là, il y a culture. Et cette question de retrouver l'enjeu culturel comme enjeu de lutte contre la barbarie, c'est autre chose que d'aller au spectacle pour se faire plaisir, d'aller au festival pour se faire plaisir, lire un livre parce qu'on a envie, etc. Et là, on est devant un enjeu très fort qui associe le territoire, les personnes qui y sont présentes, au-delà des habitants, et la manière dont elles peuvent vouloir vivre ensemble, c'est-à-dire éviter d'être dans des rapports de barbarie, c'est-à-dire indifférence, haine, rejet, mépris, etc., pour préférer des relations d'humanité. Ça, c'est une vraie responsabilité culturelle pour un élu local, pour un territoire, faire le territoire un territoire d'humanité.
Et ce n'est pas une vision de l'expert que je ne suis pas. Moi, je suis un citoyen ordinaire qui milite pour les droits culturels. Je ne veux pas être un expert. Ce n'est pas une vision perso. C'est la loi, c'est quatre lois. Et pourquoi il y a quatre lois? Parce que la France est un pays démocratique qui s'est engagé à respecter les accords internationaux à l'ONU. Bon, j'ai bien qu'en ce moment, ça ne se fait pas et qu'il y a la loi nationale qui compte par rapport au reste des engagements qu'on a pu prendre à l'international. Mais en l'occurrence, depuis 1948, on a pris des engagements qui consistent à dire, c'est la définition officielle à l'ONU, que la culture, c'est faire relation d'humanité, c'est exprimer son humanité aux autres, c'est reconnaître l'autre comme un être de liberté, de dignité, etc. Donc voilà, ça change beaucoup. Ça change tellement que j'ose pas dire qu'il faudrait y aller. Je pense qu'il faut pas y aller parce que c'est tellement différent de l'histoire qu'on a eue et qu'on a encore de la culture comme système d'objets et de relation à des objets et pas à des personnes. Il faut mieux être prudent, il faut pas casser la baraque. Par contre, on peut essayer d'aller dans un sens qui est, ce que j'ai appelé, moi, pour ce qui concerne Bordeaux, on en reparlera certainement tout à l'heure, une politique de transition vers les droits culturels qui s'appuie sur des personnes de bonne volonté qui ont déjà le souci, comme ça, d'entrer en relation avec les autres. Ne dites plus habitants, dites avec les personnes, d'une façon telle que ben, la relation soit une relation d'humanité. Merci beaucoup Jean-Michel. Je vous propose là de passer donc sur un temps d'échange avec les participants et participantes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat ou aussi à utiliser la fonctionnalité Zoom de lever la main pour prendre la parole. Je vois qu'il y a notamment une question d'Alexandra qui souhaiterait, Jean-Michel, que vous détailliez un peu l'exemple de Bordeaux, si c'est possible. J'ai combien de temps ? Allez-y, je vous dirai. Je vais détailler, puis en même temps, quand j'aurai fini, je le mettrai sur le chat, puisqu'on a modulé un peu tout ça. Simplement, j'ai demandé, moi, à la mairie, avec ma petite équipe, d'ouvrir un laboratoire de transition vers le droit culturel, uniquement avec des personnes volontaires, des personnes de bonne foi, qui pensent que quand ils font du théâtre, qu'ils font de la musique, ou qu'ils font de la boucherie, ou qu'ils sont dans un centre social, ils jouent la carte de la relation d'humanité pour eux et pour les autres. Voilà. Et donc, on a engagé cette réflexion. Et c'est une réflexion, parce qu'il ne s'agit pas de faire, en disant, les autres faisaient mal, nous, on va faire bien. Non, on fait ce qu'on fait, on pratique, chacun continue à pratiquer ce qu'il pratique. On n'enlève pas le territoire de, alors on disait compétence tout à l'heure, ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup, mais le territoire de reconnaissance des uns et des autres. Mais on se met en situation collectivement de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait plus conforme à la relation d'humanité. Et par exemple, pour aller très vite, parce que c'est une réflexion actuellement, on s'aperçoit assez vite que ce n'est pas l'action qui va compter, l'action d'amener les gamins au musée ou l'action de sortir aller à l'opéra, etc. C'est avant, c'est plus qu'avant, c'est la relation culturelle, elle commence quand on des personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se reconnaissent pas, qui ne savent même pas que l'autre existe, commencent à rentrer dans une relation, et une relation bénéfique, une relation où l'autre est considéré. Et ce temps-là n'est jamais financé par la politique culturelle, ce temps de la mise en relation n'est jamais considéré comme « il ne se passe rien ». Ben oui, il ne se passe rien. Il se passe parce qu'on ne se connaît pas, on ne se reconnaît pas, on n'a pas cheminé ensemble. Donc on sent qu'on va faire des préconisations qui vont être du genre, avant de dire une politique culturelle, c'est 3 musées, 4 théâtres, 5 ceci, 5 cela, 5 festivals, c'est permettez qu'on ait des ressources publiques pour rentrer en relation avec des personnes qui sont invisibles, peut-être, ou qui ont complètement une option complètement différente du monde. Parce que l'idée centrale, c'est si on parle à des êtres humains, on parle à des êtres de fiction. Si on parle à des êtres humains, c'est qu'on parle à des êtres qui racontent des histoires, qui se racontent des histoires, qui ont un imaginaire totalement débridé. Et donc, ce temps de la relation avec un imaginaire complètement débridé, ce temps est le temps de la politique culturelle pour les droits culturels. Alors, c'est juste un exemple, mais au moins celui-là, il est net parce que personne n'a besoin de changer sa pratique, mais l'idée, c'est qu'avant de pratiquer, ça serait bien qu'on ait le temps, et les acteurs nous disent « on n'a pas le temps, on nous demande de faire 3 créations, on nous demande d'accueillir autant de public dans le musée, etc. » Enfin, stop, quoi. Ce qui compte, c'est pas l'action, c'est la qualité de la relation, en quoi elle permet à l'autre d'être plus en humanité. C'est quand même un beau projet politique, plus en humanité.
Effectivement, c'est un beau projet. Et d'ailleurs, on a une petite question des participants sur ce principe d'humanité, de la qualité de la relation. Michael, il se demande, on est dans une société de la consommation, de l'évaluation, de la performance. Alors, comment on peut réussir à valoriser cette culture humaine et qualitative auprès des élus locaux, et je rajouterai auprès de la société tout entière. Alors là, c'est un exercice redoutable parce qu'il faut que j'arrive à répondre en quelques secondes, alors que pour nous, ça fait déjà 7-8 ans qu'on est sur cette affaire-là. Mais je vais essayer d'aller à l'essentiel, vous me pardonnerez, c'est un peu caricatural. En fait, l'évaluation, il faut retrouver son sens, c'est-à-dire donner de la valeur. Qui peut donner de la valeur à une trajectoire d'humanité ? Que la personne qui est concernée, évidemment. On ne peut pas aller se faire évaluer par quelque chose, par un dispositif extérieur. Donc, pour la réflexion qu'on a sur l'évaluation, comme on l'a sur la mise en relation, elle est simple. De dire, l'enjeu, c'est avec la personne de voir quel est le parcours d'émancipation qu'elle est susceptible de faire ou qu'elle est en train de faire. Et avant de commencer à dire on va faire ceci, on pense évaluation. Et l'évaluation, ce sera la capacité de la personne à revenir dans l'espace public, alors pour dire au maire, mais aussi aux journalistes ou aux copains ou à d'autres, revenir dans l'espace public en disant le parcours que j'ai fait, eh bien, il est vraiment important. Il a été important pour moi, il m'a permis de sortir de domination, telle domination, je suis devenu plus autonome, il m'a permis de m'émanciper. Donc l'émancipation, c'est le retour de la démocratie, c'est-à-dire le retour de la capacité des personnes à dire, voilà, il s'est passé ça. Et il faut beaucoup y travailler, parce que certains ont le tchatch, certains ont la parole, d'autres ne peuvent pas parler, d'autres ne savent pas parler, d'autres savent dessiner, par exemple, d'autres savent chanter, etc. Il faut donc réfléchir avec la personne, dans sa trajectoire, à la manière dont on va le revenir dans l'espace public, pour dire au-delà que ça m'a plu, ça m'a permis de sortir des dominations dans lesquelles une partie des dominations, on n'est pas à la révolution, on est un petit chemin d'émancipation, là je suis sorti, j'avais jamais imaginé ça, etc. C'est le retour, et ça c'est aussi important que de faire, c'est-à-dire penser le retour de la personne dans l'espace public, et c'est là qu'il y a la relation entre la démocratie et la politique culturelle, faire humanité ensemble. Je m'excuse d'être aussi rapide, tac-tac, c'est idiot, parce que en fait, quand on écrit ou quand on réfléchit, on est là toujours à se demander si on ne dit pas une connerie. Donc là, vous m'obligez à dire des vérités que moi-même, je suis prêt à remettre en cause dans 5 minutes, mais cette histoire de webinaire est toujours très catastrophique pour ça. C'est toujours difficile, effectivement, c'est un exercice un peu rigoureux. Je vais proposer à Jean-Baptiste du collectif des associations de prendre la parole parce qu'il soulève un point assez intéressant entre finalement ce travail entre comptabilité et le lien aussi avec les communs. Alors les communs qui sont un des sujets émergents aujourd'hui et qui font beaucoup le lien entre la démocratie et la culture et notamment sur la réhabilitation de ce qu'on appelle les biens communs dans l'espace public. Alors, Jean-Baptiste, je vous laisse prendre la parole et poser votre question ou réaction. Merci beaucoup. Et puis, merci Jean-Michel, parce que c'est toujours extrêmement stimulant d'écouter tes interventions. Oui, simplement, vraiment rapidement, dire que depuis quelques temps, il y a toute une réflexion sur le lien entre les communs et la comptabilité et que cette réflexion est en train de passer à un stade un petit peu supérieur parce qu'on en était à une conceptualisation de toutes les notions qui vont autour de ces enjeux. Et là, on passe à des expérimentations. Et donc, c'est quelque chose qui est notamment conduit par la COP des communs. Donc, j'ai mis le lien sur le chat et peut-être signaler que parmi ces expérimentations, au-delà de celles qui sont portées par des acteurs associatifs, il y a une première collectivité territoriale, en l'occurrence Grenoble, qui se lance grâce à un contrat CIFRE dans ce travail-là. Et donc, en deux mots, c'est pour voir comment est-ce qu'on peut rendre compte de ce qui compte vraiment, c'est-à-dire pas simplement les flux financiers et monétaires, mais l'impact à la fois sur l'environnement et sur la dimension humaine, sociale de son travail, dans tous les domaines, mais évidemment, a fortiori dans le domaine culturel, à l'aune du référentiel des droits culturels dont parlait Jean-Michel, je pense que c'est une réflexion qui est particulièrement riche et qui mérite d'être creusée. Donc, j'ai mis le lien. Nous, on va essayer de travailler entre le CAC et la COP des communs là, début 2022 sur ce sujet-là. Et je suis disponible pour ceux que le sujet intéresse. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Par ailleurs, qui fait partie donc, du
collectif des associations citoyennes. Et je remercie Jean-Michel Lucas qui a partagé aussi un lien sur le laboratoire de transition vers les droits culturels. Jean-Michel, je te laisse répondre à cette réaction de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a raison de dire qu'il faut expérimenter, qu'il faut réfléchir, etc. Mais il sait aussi que je ne suis pas un partisan des communs, c'est quand on parle de, justement de l'enjeu culturel, parce que lorsque là, il y a trop de monde là pour que je sois trop critique, mais si on part de l'enjeu culturel de faire humanité avec les autres, je suis une singularité et les autres ce sont des singularités. Et avant qu'on fasse du commun, il va falloir qu'on négocie beaucoup. C'est ça l'enjeu démocratique des droits culturels. C'est qu'on peut passer son temps à se concilier. C'est-à-dire, comment voulez-vous qu'on sauve notre planète qui est dans un état épouvantable si on ne concilie pas nos façons de vivre, nos manières de regarder le monde, le manière de croire, nos manières de sentir les relations aux autres. Il va bien falloir qu'on se concilie, il va bien falloir qu'on ait des lieux où on se dise, bah, après tout, l'autre, il n'a pas tort je veux bien que j'accepte, je reconnais dans sa manière de vivre. Voilà. Il va bien falloir trouver ces lieux de conciliation. Donc, le commun, ça sera toujours le résultat d'un minimum de conciliation, enfin d'un maximum de conciliation, donc un minimum d'accord entre des rêves différents, des imaginaires différents, des poids sociaux différents, etc. etc. Les droits culturels, c'est d'abord ces temps de négociation, de mise en relation. Donc, moi, le commun, je veux bien, mais je ne veux pas enlever la capacité des uns et des autres à négocier. Mais ce n'est pas une critique de Jean-Baptiste avec lequel on partage quand même beaucoup de choses. Mais simplement un mot, si on rentre par cette idée de transition vers les droits culturels, il faut arriver à éviter le mot secteur culturel. Quoi. Il faut arrêter de revenir à l'idée qu'il y aurait un secteur, qu'il y aurait des objets qui seraient culturels. Non, ils sont artistiques, si vous voulez, mais ils ne sont pas culturels. Ce qui est culturel, c'est la manière dont... La manière dont moi j'entretiens des relations avec mon boucher, voilà. Ça c'est culturel. Pourquoi? C'est parce qu'il fait de la boucherie, c'est parce que d'autres personnes considèrent que c'est un assassin et lui ont tagué sa vitrine. C'est bien un problème de vision du monde, d'imaginaire. Il ne fait pas humanité le pauvre boucher, puisqu'il il est très mauvais, très méchant avec les animaux. Donc on est bien devant un problème de discussion, d'endroits où on va pouvoir confronter ces manières de dire ce à quoi ressemble l'humanité, et il faudrait bien un cadre, il faudra bien des balises pour permettre ces négociations, et ces balises, les seules qui soient universelles, c'est celles des droits humains fondamentaux, c'est celles de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des pactes. Voilà. Parce que si on sort de là, là on est vraiment dans la barbarie totale. Donc voilà, l'idée du secteur culturel, à mon avis, elle existe empiriquement, on n'y échappera pas, mais si on peut éviter de la mettre au centre d'un enjeu de la planète durable, ça serait bien, parce que l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, c'est quand même faire humanité ensemble, pas simplement de sortir le soir quand on est un peu fatigué. Merci Jean-Michel. Et peut-être pour conclure votre intervention, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez une ou deux préconisations qui permettent finalement de poser ce cadre pour une transition réussie des droits culturels sur un territoire? La préconisation qui est devenue chez nous une action sur Bordeaux, c'est d'organiser, ouais, il faut agir, dispositif, d'organiser des temps où les personnes peuvent exprimer en quoi ce qu'elles font a un rapport avec l'enjeu d'humanité. Voilà, ça pour nous, c'est ça la préconisation. Et ce temps-là, il est extrêmement précieux parce qu'à 5, 6 ou 7, eh bien, on prend le temps de dire ce que je fais, moi, a un sens d'humanité. Et évidemment, les autres disent oui, mais enfin bon, je ne suis pas sûr, enfin, etc. Et donc, en prenant la grille des droits humains fondamentaux, on a des conversations comme ça, et on prend le temps, et la municipalité, ben là, avec les volontaires, nous laisse ce temps-là. Et c'est un temps très précieux parce que c'est pas ça ne vient pas d'en haut, ça vient de la réflexion de chacun. Chacun sait très bien qu'il y a des limites à ce qu'il fait, et chacun fait émerger ses limites dans une conversation avec les autres. Et on est en train de sortir des préconisations à partir de là, mais chaque chose en son temps. Mais ça serait ça ma première préconisation, prendre le temps de dire quelle est la valeur de ma pratique. Non pas qu'est-ce que je fais, mais quelle est la valeur de ma pratique. Si je dois amener les gamins au musée à 9h15 et à 10h15, ils sont sortis du musée à 35, mince, prenons le temps de dire qu'est-ce que ça veut dire.
Quel est le sens de cette affaire? Quelle est la valeur? Voilà. Ça, c'est plein de questions intéressantes. Mais ce temps-là, personne ne l'a. Donc, pour l'instant, c'est juste de la transition. Mais donnez-vous ce temps-là, c'est un temps riche et précieux. Le temps de l'action passera, arrivera toujours assez tôt. Ça, c'est révolutionnaire. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour cette intervention très riche et très précieuse. Je vais prendre un peu de hauteur à partir de maintenant et je vais me tourner plutôt vers Anne-Christine Michaud, qui travaille donc au ministère de la Culture. On a beaucoup parlé d'expérimentation depuis ce début de webinaire et je voudrais savoir dans quel cadre du coup, ces relations entre démocratie et culture, peut-être aussi les droits culturels, s'inscrivent directement au ministère de la Culture et pourquoi finalement rechercher l'expérimentation en cette période actuelle. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je vais être un peu très synthétique et un peu surplombante, je suis désolée. Je vais reprendre un peu des choses qu'a dit Jean-Michel, mais de notre façon, en reprenant pour cadrer la question de la démocratie culturelle, l'évolution, enfin la façon dont l'ADN du ministère de la Culture s'est déployé dans le temps, avec sa première caractéristique qui est la démocratisation culturelle, que l'accès aux grandes œuvres de l'humanité qui est toujours dans le décret de fondation de notre ministère, qui a été prôné par Malraux, qui a donné cours à tout, enfin, essentiellement, je fais très à la hache, hein, des politiques patrimoniales, des politiques de défense, des répertoires artistiques, et qui se traduisent dans des politiques de public et de marketing culturel essentiellement. La deuxième caractéristique de cet ADN, c'est le soutien aux artistes et aux politiques de la création et aussi le soutien à la diversité des industries culturelles qui a remplacé l'exception culturelle. Et là, on est, Jean-Michel l'a très bien dit, dans un soutien à la production, à la diffusion, à cette structuration d'un secteur économique, de filières professionnelles et la transmission d'œuvres d'art et d'une culture de référence, qu'elle soit nationale ou mondialisée. Alors, à l'aune des droits culturels, les politiques des publics se transforment pour prendre en compte la diversité de leurs expériences et ouvrir la porte à des démarches artistiques participatives. Et c'est là qu'arrive la troisième caractéristique de l'ADN du ministère, qui est la démocratie culturelle. Alors, elle se fonde aujourd'hui sur les droits culturels et s'incarne dans la réorganisation, dans le projet de la nouvelle délégation à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle autour de l'affirmation suivante. Chaque être humain est un être de culture, porte en lui des valeurs, une histoire, une mémoire, un regard sur le monde qui font culture et doivent être respectés en tant que tels. L'ADN de cette délégation, c'est de mettre au cœur des politiques culturelles les habitants et les territoires. Ici, les habitants sont considérés dans leur diversité comme des ressources culturelles et les territoires ne sont plus des zones blanches quand ils ne disposent pas d'équipements de référence labellisés par le ministère. L'objectif politique de la délégation, c'est de faire que chaque habitant, tout au long de sa vie et sur l'ensemble du territoire, puisse avoir la possibilité de participer selon ses choix à la vie culturelle. Il ne s'agit pas pour autant de renier les politiques de l'offre induites par l'idéal de démocratisation culturelle, ni le tissu des équipements culturels qui animent la vie des territoires. Il s'agit peut-être d'en élargir les portes, de sortir des maisons de la culture, de se relier à la diversité des ressources culturelles des territoires et de leurs habitants. Bref, il s'agit, avec les autres directions du ministère et les DRAC surtout, d'essayer d'aller plus loin et de faire autrement. Alors, au niveau central, dans cette délégation, le concept de démocratie culturelle se déploiera dans le périmètre des attributions du ministère, progressivement et en s'appuyant sur l'existant, d'abord construire des ponts, des résonances, des familiarités entre la richesse culturelle des habitants et l'ensemble de l'offre, lever des barrières, réparer des fractures pour que nos concitoyens ne soient plus jamais contraints de dire ce n'est pas pour moi. Il s'agit aussi de faire que chaque personne puisse, en dignité, prendre part, apporter sa part et recevoir sa part à la vie culturelle. Donc, ce sera d'abord de rendre droit de cité dans les politiques culturelles au recalé, que je mets entre guillemets, des politiques de démocratisation culturelle, comme les acteurs de l'éducation populaire, les acteurs du champ social, nombre d'associations qui tissent au quotidien la vie culturelle des territoires, les praticiens amateurs de toute discipline, les bénévoles. Pour autant, les droits culturels ne sont pas enfermés dans les seuls plaisirs procurés par les arts. C'est par la co-construction de projets dans les territoires dans lesquels la culture aura toute sa place que ces ambitions trouvent leur traduction. Inversement, c'est à l'appui
du développement de dynamiques territoriales innovantes que le cadre de la démocratie culturelle pourra s'élargir au sein du ministère même. Il s'agit en effet de déplacer les cloisons et d'élaborer une stratégie interministérielle permettant de montrer l'apport de la politique culturelle dans toutes les politiques publiques. Une des clés de ces évolutions passe par des espaces réguliers de discussion, d'analyse partagée des territoires, de coélaboration de politiques, d'où la relance des comités territoriaux pour la culture à côté du Conseil national des territoires et des COREPS. Pourquoi des expérimentations ? Parce que le respect de la diversité des habitants et des territoires implique de faire du cousu humain, du dialogue interculturel, de la relation pair à pair, de l'auto-évaluation participative et non du copier-coller. Chaque projet implique une démarche singulière, il n'est pas duplicable. Il n'y a pas de bonne pratique en démocratie culturelle, mais un travail ajusté au contexte, à la diversité des ressources culturelles et des habitants, face au phénomène de l'hyperconcentration du secteur culturel, une ouverture à la pluralité des récits. Les droits culturels, socle de la démocratie culturelle, permettent d'articuler démocratie et diversité culturelle. Ce qu'ils empêchent le plus, c'est de mettre en œuvre l'universalité du droit humain d'une façon qui fasse rouleau compresseur. Merci beaucoup Anne-Christine. J'invite les participants et participantes à poser des questions dans le chat ou à lever la fonctionnalité, à utiliser la fonctionnalité de lever la main dans le Zoom pour prendre la parole. En attendant que certains et certaines posent leurs questions, Anne-Christine, je me demandais, est-ce que l'expérimentation peut aussi avoir un lien avec ce que disait Jean-Michel sur la qualité de la relation, sur le fait de prendre du temps? Et peut-être pour aller un peu plus loin, pour vous, quels sont les grands principes d'une expérimentation dans le champ de la culture ? Oui, bien évidemment. Alors après, je pense que les expérimentations, elles se définissent par expérimentation par expérimentation. Et c'est un principe de démocratie que de se donner un cadre et puis des temporalités et une méthode. On est dans une logique, pardon. On est dans une logique de processus et donc effectivement, on est dans une démarche de co-construction en fait. Et donc si je reviens sur les principes, c'est essentiellement d'abord d'impliquer l'ensemble des parties prenantes, si je prends un projet de territoire, c'est d'aller au-delà des techniciens, des élus et des services de l'État, en gros. C'est-à-dire qu'on travaille quelquefois dans certains dispositifs qui n'associent pas de fait, qui associent déjà beaucoup de monde, mais qui n'associent pas de fait les habitants, ils n'associent pas les personnes qui sont concernées. Donc, c'est la première des choses, c'est effectivement d'impliquer le maximum de personnes qui sont concernées et effectivement de travailler. Enfin, je partage la préconisation de Jean-Michel sur la question du temps. Le problème, c'est qu'on en a nulle part du temps. Mais c'est vraiment la question du temps partagé et de l'interconnaissance qui me paraît à la base de tout projet. Merci beaucoup Anne-Christine. Je vais laisser la parole à la fois à Vincent dans un premier temps, puis à Jean-Michel qui souhaite poser des questions ou réagir par rapport à ce que vous avez dit. Vincent Badi, je vous laisse prendre la parole et vous présenter aussi par la même occasion. Je peux y aller ? Allez-y, monsieur. Bonjour. Donc, je suis Vincent Badi, je suis membre du Conseil national du CINAVI et par ailleurs metteur en scène interne d'un collectif artistique à Lyon, à la compagnie des 3-8. Merci à Anne-Christine de cette présentation très, très synthétique de la politique du ministère, mais qui met tout de même, à mon avis, en évidence ou même un certain nombre de contradictions. Et je voudrais savoir comment au fond, Anne-Christine, tu penses que ces contradictions peuvent être gérées. J'ai le sentiment que la mission malrussienne du ministère de la Culture reste prééminente, qu'elle est liée dans les moyens dont dispose le ministère de la Culture à des moyens de financement, en revanche, tout ce qui concerne la nouvelle délégation dont tu as parlé
et les nouvelles orientations peut-être plus propices à l'expression des droits culturels, quelque chose qui ne bénéficie d'aucun financement et d'une certaine manière pourrait remettre en cause complètement tous les critères d'évaluation qui sont mis en œuvre dans les services parallèles du ministère de la Culture. Les services parallèles, j'entends la direction, la DGCA, le fonctionnement des évaluations artistiques qui sont... Il me semble que si on parle de droit culturel, il y aurait une grande évolution à énoncer sur ce plan-là. Or, il ne me semble pas, actuellement, qu'au ministère de la Culture, cette évolution soit en cours. Voilà, merci. Merci beaucoup, Vincent. Je vais vous laisser répondre directement à Christine, et ensuite je vous donnerai la parole. Ok, merci. Alors, effectivement, les trois temps là, dont j'ai parlé, ils se construisent dans la durée, et effectivement, la question de l'économie, elle est importante, et elle structure un peu tout, quoi. Et elle pose les elle est à la base des contradictions que tu soulignes. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Jean-Michel, le secteur, la culture et son budget, c'est un secteur économique, professionnel, et c'est comme ça qu'il s'est construit, que ce soit du côté du patrimoine ou que ce soit du côté de la création. Donc, il y a toujours cette surdétermination de ce secteur professionnel, économique, qui quelque part est la base des budgets du ministère de la Culture. La question de la DG de TDC, c'est d'essayer un peu d'inverser la façon dont on travaille, c'est-à-dire les objectifs, et c'est plus sur de la façon de faire que peut-être sur des budgets nouveaux. Même si la DG de TDC, elle est bien dotée et a ouvert, forcément en s'appuyant sur l'existant, des nouveaux dispositifs comme l'été culturel qui déjà élargissent beaucoup le champ de l'intervention du ministère. Alors après, j'ai bien compris la question qui relève des comités d'experts et de l'expertise et de comment on choisit. Et effectivement, on n'est pas dans un processus démocratique à cet endroit-là, mais aujourd'hui, la DGCA, qui est la direction qui suit ces questions-là, aussi travaille à une appropriation des droits culturels et à la fois alors, à demander aux institutions culturelles et aux établissements publics d'intégrer les droits culturels dans leur contrat de performance. Donc, c'est déjà une façon de les impliquer. Et puis, est en train de former ses agents de façon à ce que progressivement, ça évolue. Après, pour l'instant, il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis dans la loi LCAP. Donc, comme dit Jean-Michel, il y a un moment où les choses bougeront, mais ça va être peut-être millimétrique au départ. Et après, ça bouge un peu plus rapidement quand les premiers pas ont été consolidés. C'est comme ça que je le perçois. Après, voilà. Mais je ne peux pas répondre à la place de la DGCA, bien évidemment. Merci pour cette réponse, Anne-Christine. Et pour information aux participants et participantes, on reviendra notamment sur les questions du secteur de la culture comme secteur professionnel par la suite, avec un focus sur les organisations de l'USS. Mais en attendant, je vais laisser Jean-Michel réagir ou poser une question pour Anne-Christine. Et rapidement, si c'est possible. Et vous avez votre micro. Ça y est ? Oui, ça marche. C'est pas... Parfait. Non, c'est une remarque parce que je vois souvent l'expression un peu partout. Heureusement d'ailleurs, c'est pas mal. Tout être humain est un être de culture. Et a priori, ça peut passer. Mais en fait, si on prend les droits culturels comme référence, et ça c'est intéressant localement sur le terrain, on n'est pas sûr. Moi, je ne suis pas sûr d'être un être de culture tout le temps. Je suis un être de culture lorsque je fais humanité avec les autres, pas lorsque je suis en situation de rejeter l'autre, d'être indifférent, etc. Donc une
politique culturelle, c'est une politique qui porte attention concrètement là où on est, sur les rapports de voisinage, sur les rapports de classe, mais enfin au moins de groupes sociaux, etc. Parce qu'on n'est pas sûr que l'autre soit un être d'humanité. Si par exemple vos voisins disent moi, ma pratique c'est l'excision, vous n'allez pas, cette définition-là, elle vous saute à la gueule. Je veux dire, vous ne pouvez pas dire oh, bah, c'est un être de culture, ils excisent leur petite fille, ça ne va pas marcher. Donc en fait, la politique culturelle dans un territoire, dans une ville, à Guichin ou à Mantes-la-Jolie, c'est au fond s'interroger sur quand est-ce qu'il y a des relations d'humanité, quand est-ce qu'il y a des relations plutôt tendues. Voilà. Alors, ce n'est pas uniquement une entrée artistique. Donc, j'enlèverais l'idée que chacun est un être de culture, potentiellement peut-être, mais c'est justement la vie politique, la vie démocratique qui va permettre de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de relations de culture entre les uns et les autres. Merci Jean-Michel. Donc, plus une réaction qu'une question. Anne-Christine, peut-être. Oui, ben effectivement, je peux partager et comprendre tout à fait l'argument qu'au niveau des droits culturels, Jean-Michel fait valoir, et à juste titre, mais comme je l'ai dit, peut-être qu'effectivement, j'ai bien dit que la délégation, elle s'appuyait sur l'existant et donc elle est quand même en rapport avec les biens dont Jean-Michel nous a parlé tout à l'heure, avec les objets et les pratiques. On est quand même dans le champ de la culture qui est celui des pratiques artistiques et culturelles qui donne lieu aux observations des pratiques culturelles des Français, etc., etc. Donc, effectivement, ce que tu dis, tout à fait, je partage, mais en même temps, on est à un endroit où on avance petit à petit et la conception de la culture n'est pas aussi large qu'on arrive à se... Mais on a déjà beaucoup avancé en disant qu'on ne doit pas... Enfin, parce qu'on était dans les zones blanches, quoi. Donc, Jean-Michel, toi-même, il a beaucoup dénoncé. Donc, voilà, on avance petit à petit et on est obligé d'avancer à ce sur quoi... à l'existant, aux politiques antérieures du ministère, tu l'as dit toi-même, on ne peut pas changer tout du jour au lendemain. Et donc, progressivement, et le deuxième point de mon intervention, qui était de dire, si sur les territoires, il y a des politiques qui beaucoup plus globales, qui peuvent être santé, éducation, etc., enfin, éducation bien sûr, mais et autres, etc., qui, à un moment donné, mettent en valeur l'importance de la culture dans ce champ-là, ça peut donner une possibilité d'élargir la question de la du concept de démocratie culturelle au niveau interministériel, au niveau national. Voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment penser que cette délégation, elle se met dans un processus elle-même. Si les bases sont en besoin d'être élargies, elles le seront, mais il faut du temps. Merci beaucoup Anne-Christine pour cette intervention et ce temps d'échange. Là aussi, on va faire du coup un pas de côté, comme je vous l'ai dit, on va aussi s'intéresser un peu au jeu de coopération qu'il peut y avoir entre les acteurs et notamment par rapport aux organisations de la société civile. Emmanuel Vergès, je me tourne vers vous. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire des politiques culturelles. Est-ce que vous pouvez nous indiquer, nous informer un peu comment on peut impulser finalement de nouvelles expérimentations culturelles avec et par les habitants en intégrant finalement les forces vives du territoire. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Depuis Grenoble, aujourd'hui, au sein de l'Observatoire des politiques culturelles, je vais juste vous partager un petit, à la fois pour les visuels et les auditifs, je prépare un petit... diaporama rapide, partager en fait quelques éléments d'analyse qui vont venir abonder les propos de Jean-Michel Lucas et d'Anne-Christine, et puis vous proposer peut-être deux pistes de réflexion et de travail autour de ces analyses-là. Quelques éléments d'analyse qui sont issus, je redonnerai après les références, de deux rapports que le ministère de la Culture, au travers du DEPS, du département études et prospectives, ont produit ces derniers mois.
une étude sur les pratiques culturelles pendant le confinement et puis une étude plus globale sur les pratiques culturelles des Français, parce qu'il y a un peu une des missions fortes de ce département-là, des études qu'on attend, qu'on regarde un peu avec attention, parce qu'elles viennent marquer un certain nombre de tendances, des tendances qui, de manière concrète, viennent raconter et abonder dans ce qu'évoquait tout à l'heure Jean-Michel, et relever quelques éléments intéressants. En particulier, quand on parle des processus de démocratisation, le fait que les situations de confinement, et en particulier du premier confinement, a permis de révéler une augmentation forte des pratiques culturelles en amateur, avec une réduction notable des écarts sociaux et en particulier aussi des écarts d'âge. C'est-à-dire qu'il y a eu un rajeunissement fort des pratiquants avec une réduction des écarts sociaux et vraisemblablement l'éducation et les logiques pédagogiques, la continuité pédagogique qui a participé à créer un lien fort et un intérêt fort pour les contenus culturels. Situation de confinement qui était profondément inégalitaire, qui avait généré en fait une fermeture des lieux publics, j'y reviendrai, mais néanmoins qui vient et qui a quand même donné des occasions, des situations, on peut dire, c'est des réalités, mais des situations qui ont favorisé d'autres types de développement des pratiques culturelles qu'on voit par ailleurs dans les lieux culturels. Avec aujourd'hui, actuellement, et ça a été le dernier sondage et rapport qui a été sorti à la demande de Madame la ministre la semaine dernière, une baisse forte des fréquentations. Hein, plus généralement aussi, ce qu'on lit dans les rapports du DEPS, une baisse historique des fréquentations dans l'univers de ce qu'on appelle la culture patrimoniale, au sens large du terme, on y met aussi spectacle vivant, etc. On a aujourd'hui une baisse et un vieillissement des publics de la culture, quels que soient les territoires, même s'il y a eu un certain nombre de réductions sur les 50 dernières années, très fortes, en particulier territoriales et sociales, dans les logiques d'accessibilité à la culture. Ce qui soulève au moins deux questions, Jean-Michel parlait beaucoup d'objets, on peut aussi qualifier ça de la question de la culture qui s'est construite comme étant un régime d'offre, hein, une logique d'offre culturelle. On tient quand il évoquait tout à l'heure les objets, pour moi, je mets aussi le terme d'offre. Est-ce que c'est quoi aujourd'hui l'état de ce régime d'abondance des offres culturelles, quels que soient les territoires et les situations? Et est-ce qu'il n'y a pas un caractère un peu daté hein, de ces politiques de démocratisation qui ont permis de constituer cette abondance d'offres sur les territoires liées aux équipements, liées à ce que Jean-Michel évoquait autour des objets culturels? Alors là, je vous mets les deux références des deux rapports, peut-être que je pourrais les mettre tout à l'heure aussi en ligne dans le chat qu'on retrouve sur le site du ministère. Voilà, qu'est-ce que ça peut nous amener comme réflexion? Peut-être deux pistes. Première piste autour de la fonction des lieux sur les territoires. Une autre piste, évidemment, je viens abonder aux propos précédents aussi pour leur donner une perspective opérationnelle autour des droits culturels. Est-ce que les droits culturels ne seraient pas un moyen, un outil, un principe, des enjeux forts pour passer à une autre étape de la démocratisation culturelle? Je vais vous prendre un ou deux exemples. Sur la question de l'évolution des lieux, deux points d'ancrage autour de cette réflexion-là et de cette piste-là. Un, l'abondance vraisemblablement génère de la concurrence sur les territoires, une concurrence entre les disciplines, entre les lieux. On va chercher à élargir les publics. Hein, c'est que les politiques de démocratisation sont devenues des politiques de développement des publics. Mais est-ce qu'on peut traiter, hein, d'une certaine manière, entre guillemets, dans cette abondance-là, si elle génère de la concurrence au sens culturel du terme? Est-ce qu'on peut générer une concurrence? Comment est-ce qu'on peut traiter la concurrence, la notion de concurrence culturelle? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de notre logiciel de développement des politiques culturelles publiques? Deuxième élément de réflexion, c'est que pendant le premier confinement, on a vu l'importance des lieux, c'est-à-dire des lieux qui ont permis d'organiser ce que j'appelle la solidarité du premier kilomètre. Hein, en logistique ou dans le travail autour des réseaux, on appelle le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, c'est ce qui va permettre de connecter les réseaux aux individus. Hein, moi, j'appelle ça aussi le premier kilomètre. Est-ce que les lieux ne sont pas fondamentalement des espaces dans lesquels va se générer la solidarité du premier kilomètre? Enjeu des lieux publics face à l'inégalité des situations individuelles. Et là-dedans, trois éléments de transformation concrets et forts, une transformation des métiers. Est-ce qu'on peut passer et repenser la médiation et l'intermédiation des lieux culturels pour participer dans nos métiers culturels à animer des territoires, ce qu'évoquait tout à l'heure Anne-Christine? Comment est-ce qu'on peut passer de l'offre à l'expérience, c'est-à-dire la capacité à se mettre en relation, ce qu'évoquait tout à l'heure beaucoup Jean-Michel, dans les missions des différents équipements culturels? Et est-ce qu'on peut construire des liens différents entre des pratiques et différents secteurs, et en particulier dans ce séminaire autour de la NCT, est-ce qu'on peut
investir en fait des enjeux de lieu avec d'autres manières d'appréhender les fonctions et les missions des lieux. C'est bibliothèque troisième lieu, c'est fabrique de territoire, c'est nouveau territoire de l'art, hein, et ces enjeux de coopération territoriale. Deuxième élément, j'ai bien entendu aussi la petite musique, je vais essayer de faire très court. Comment les droits culturels peuvent permettre de passer à une autre étape de la démocratisation culturelle, des charges de la culture, hein, ce qui est posé dans les éléments de loi, comme le rappelait Jean-Michel. Est-ce qu'on peut aujourd'hui penser une étape de la démocratisation comme étant une étape de la démocratisation, de la contribution? J'entendais des musées, je travaillais avec des musées en Isère il y a 15 jours, ils disaient pendant les premiers confinements, on a donné la parole à nos publics, à nos usagers, on ne pourra plus reprendre cette parole. Hein. Comment l'idée de prendre la parole devient un élément de démocratisation des contributions, de constitution d'espaces de culture, dans lequel effectivement la culture, dans une définition plus large, fait qu'il y aura toujours une main pour dessiner, il y aura toujours un pied pour danser, il y aura toujours une voix pour à un moment donné chanter ou raconter une histoire. L'enjeu des droits culturels, pour nous ici, effectivement, n'est pas simplement la seule participation à la vie culturelle. Anne-Christine tout à l'heure évoquait ces idées que porte Joël Zask autour des questions de prendre part en particulier, de rendre sa part, etc. Mais dans une dynamique de contribution, voire de délibération, hein, de ce que c'est que la culture sur un territoire, de comment, à un moment donné, elle se produit collectivement. Voilà. Enfin, c'est d'essayer de voir comment les politiques culturelles peuvent effectivement, un de vos intervenants, un des participants, évoquer les questions de tension. J'ai vu dans le chat les questions autour du conflit, mais effectivement, est-ce qu'une politique culturelle sur un territoire, ce n'est pas l'espace qui, parce que la politique et la relation, comme l'évoque Hannah Arendt, hein, vient traiter des paradoxes et des tensions, des dilemmes, non pas des conflits, mais de ce qui met à un moment donné en tension une société. Et dans l'idée de la tension, je le prends au sens électrique du terme, c'est-à-dire ce qui lui met de l'énergie. Est-ce qu'une politique culturelle aujourd'hui n'est pas une politique sur les territoires qui va venir générer de la coopération, parce que de ces tensions-là, on est tous et toutes parties prenantes d'une certaine manière. On est tous, et c'est une notion qu'on travaille beaucoup aujourd'hui à l'Observatoire des politiques culturelles, concernés. Comment à un moment donné, on va travailler sur le concernement lié à la fois aux enjeux de droit, aux enjeux de lieu, c'est-à-dire aux manières dont on va coopérer sur les territoires. Merci beaucoup, Emmanuel. J'aime beaucoup cette approche sur les dynamiques de contribution et je trouve que ça peut faire beaucoup le lien avec notamment Luc Delarmina, qui est donc co-directeur de l'association Opal, qui travaille notamment dans le champ de l'ESS, qui a sorti un rapport dernièrement. Et ben, je vais me tourner vers vous, Luc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu comment les acteurs associatifs s'emparent de ce sujet de la démocratie culturelle, de ses droits culturels, et proposent des expériences concrètes sur les territoires? Oui, je vais essayer d'être assez rapide. Pour être encore plus rapide, dans le chat, je mets une petite présentation d'Opal et du site, comme ça me fera gagner du temps. Et un deuxième document qui est l'enquête sur laquelle je vais dire deux mots, qui est une enquête sur les associations culturelles employeuses. Avant, je voudrais dire, dans tous ces débats, je trouve que c'est assez drôle, parce que j'ai vu tout à l'heure que dans le chat, il y avait des personnes de Grigny. Et du coup, ça m'a fait penser que Opal a démarré à Ristorangis, à côté de Grigny, en 88, hein, donc ça fait quand même un paquet de temps. Et nous avons pris, j'allais dire, corps dans une friche qui était un squat, qui s'appelait le Centre autonome d'expérimentation sociale, qui, maintenant, on appellerait ça un tiers-lieu. Avant, c'était un squat. Il y avait donc un logement d'hébergement d'urgence pour des femmes victimes de violences, une crèche parentale, une imprimerie, une quarantaine d'associations, 80 personnes qui habitaient, un garage associatif, bon, voilà, un café musique, etc. Et donc, je m'aperçois que finalement, on a avancé et pas avancé. C'est-à-dire que on a avancé par rapport aux collectivités locales. Je trouve qu'autant on n'avait pas beaucoup de reconnaissance à cette époque. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce squat a disparu. C'est une expérience qui a duré 30 ans, a disparu. Et ce qui est curieux, c'est que ça a été bien sûr une affaire de promoteurs, parce que c'était très bien situé sur les bords de la Seine. Et donc, l'ancien maire de la ville de l'époque a maintenant son appartement dans ce squat, dans cet ancien squat. Mais
il n'y avait pas beaucoup de soutien. Il y avait de l'encouragement, hein, mais il n'y avait pas beaucoup de soutien. Maintenant, je pense qu'il y a des collectivités locales qui reconnaissent énormément, et en tout cas beaucoup plus, ces initiatives associatives. Et d'autre part, ce qui a avancé aussi, et ce que témoigne notre enquête, c'est justement la formidable dynamique. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y avait 250 000 associations culturelles. Il y en a 350 000 maintenant. Et on s'aperçoit que finalement, leur soutien, c'est les collectivités territoriales, même si, après, je ne fais pas d'angélisme, je sais que les collectivités territoriales soutiennent quand même toujours en majorité des institutions culturelles, donc on est toujours dans notre thème sur la démocratisation culturelle, ou des industries culturelles, plutôt des gros festivals que des petits, parce que sur les 4 ou 5 000 festivals qu'il y a en France, j'allais dire, c'est des initiatives, quand on parle de démocratie, c'est, je veux dire, il faut qu'il y ait des personnes. Ce n'est pas qu'une affaire de professionnels de la culture, dont on fait partie, hein, mais c'est, pour prendre des exemples qui, peut-être plus, qui illustrent plus, on prend une AMAP, elle n'existe pas s'il n'y a pas des citoyens, des personnes qui montent cette AMAP. Elle est hors du champ concurrentiel. Donc, en fait, elle existe que parce qu'il y a une démocratie, que parce qu'il y a cette impulsion, en tout cas démocratique, qui fait qu'elles existent. Une crèche parentale, pareil, sauf quand elle est gérée par un gros groupe associatif qui n'a d'associatif que le nom comme ça. Mais en attendant, si on prend un festival, je prends l'exemple de petits festivals, hein, des gens qui vont faire venir quelques musiciens sur des genres peu représentés, ça n'a rien à voir avec les gros festivals avec des milliers de personnes. Ces petits festivals n'existeraient pas sans cette démarche démocratique. Après, il y a des choses qui se rencontrent, hein, entre ces expérimentations. Je reprends toujours mon histoire du Centre autonome d'expérimentation sociale à Ris-en-Angis. À cette époque, on travaillait beaucoup avec justement la Grande Borne, dont beaucoup d'entre nous venaient de cette cité, qui est une cité qui, moi, je ne sais pas si c'est encore ça, vous me direz ça, si c'est de 16 000 habitants, et qui était quand même coincée entre l'autoroute, des quatre voies, et qui était une cité où il n'y avait pas grand-chose. Sauf qu'il y avait, par exemple, une chose qui a été initiée par la ville et le conservatoire, qui était les studios du Bélier. Comme quoi, parfois, et les studios du Bélier accueillaient beaucoup de studios de répétition de musique actuelle. Il y avait, pour le coup, il y avait un échange qui était vraiment très intéressant. Je ne sais pas si ce lieu existe encore, mais c'était vraiment une expérimentation entre ce squat, ce lieu et ce lieu qui ont été vraiment, vraiment intéressants. Pour dire aussi combien ces initiatives associatives sont parfois hors des politiques publiques dont on parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elles existent, elles existent parce qu'il y a des gens qui ont voulu, des personnes qui ont voulu justement que ça existe, parce qu'elles ne trouvaient pas ça non plus sur leur territoire. C'est pour ça qu'on trouve toutes ces associations culturelles sur tous les territoires. Elles ont souvent un gros ancrage, effectivement, territorial. Elles travaillent avec beaucoup d'acteurs, qu'ils soient dans le domaine du social, de la solidarité, de l'insertion, de l'environnement. Donc là, effectivement, elles génèrent l'impulsion de ces projets, c'est quand même le lien social de proximité, et l'épanouissement personnel, hein, on va dire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui favorise vraiment la participation des habitants, des échanges intergénérationnels, interculturels. C'est vraiment là-dessus. Et donc, si, je pense que si on veut aider ces projets, pour terminer,
si on veut soutenir ces projets, et ça, je pense que c'est pas simple, hein, je suis bien d'accord, mais en tout cas, comme nous le rappelait quand même Jean-Louis Laville lors d'une manifestation qui a eu lieu, qui s'appelle Pop Mind, et qui est organisée par une grosse union avec laquelle nous travaillons souvent, qui s'appelle l'UFISC, où on a débattu hein, de tous ces sujets. Jean-Louis Laville nous rappelait que quand même, souvent, on prend comme exemple pour la démocratie athénienne, et que quand même, le groupe citoyen qui participait à la démocratie ne pouvait le faire parce que derrière, il y avait quand même les femmes et les esclaves qui faisaient tourner la boutique. Et donc là, organiser cette démocratie, c'est pas quelque chose de forcément de simple. Et en attendant, il y a des choses sur lesquelles on peut appuyer, c'est soutenir des expérimentations. C'est quand même pas non plus super compliqué de pouvoir soutenir des expérimentations d'échanges culturels très divers. Ça, je crois que on peut, en tant qu'élu local, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut organiser, par rapport à ce que disait Emmanuel tout à l'heure, des territoires zéro concurrence. C'est-à-dire que, bien sûr, il y aura de la concurrence sur des offres, j'allais dire, de spectacles, ce que fustige un peu Jean-Michel sur ce mode de la consommation. Et c'est vrai, on n'a pas besoin d'avoir 36 000 marivaux sur le même territoire. On a besoin d'avoir plus d'échanges culturels, plus de relations d'humanité, comme le dit Jean-Michel, plus que 36 000 marivaux sur un territoire de 10 mètres carrés. Et pour finir aussi, je crois que rapidement, c'est en lien avec le territoire zéro concurrence, c'est qu'on arrête, on est sur un secteur où, Jean-Michel ne va pas être content, secteur. On est sur, en tout cas, tout ce secteur associatif de la culture, on est sur quelque chose qui est en train de se marchandiser à grande vitesse. Alors que, en fait, si on veut parler de démocratie, de co-construction, on ne peut pas marchandiser ses rapports avec ses associations. Le mode le plus naturel et le plus simple reste quand même la subvention. Et franchement, quand on a 140 ou 150 milliards de marchés publics, c'est de l'argent public. Donc, organisons justement ces relations hors du champ marchand, parce que les trois quarts du temps, ou 95% du temps, les artistes ou les acteurs culturels dont on parle dans ces associations culturelles ne se situent pas dans ce système marchand. Voilà. Merci beaucoup, Luc, pour cette intervention. Et effectivement, c'est un grand enjeu, ces questions de marchandisation, de mise en concurrence des offres des personnes. Pour qu'on ait un peu plus d'exemples concrets qui viennent de collectivités territoriales, on va là aussi faire un pas de côté. Je vais laisser la parole à Cédric Jouffe, qui est donc adjoint à la ville de Marseille, nous faire part un peu de son témoignage. Et ensuite, je laisserai aussi la parole aux quatre collectivités territoriales qui sont engagées dans le projet partagé Action culturelle au sein de Territoires en commun, notamment Mantes-la-Jolie, Niort, Bourges. Et du coup, Cédric, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. Voilà, je voulais faire un petit témoignage très concret sur ce qu'on met en place au niveau de la ville de Marseille. Donc, moi, je suis adjoint à la culture de la mairie du 6e et 8e arrondissement. Alors, déjà, quand on est arrivé avec la nouvelle mandature, on a décidé de travailler en collectif d'élus, ce qui n'a jamais existé d'adjoints de la culture. Donc, les adjoints de la culture de la majorité notamment, c'est-à-dire 5 mairies, travaillent ensemble avec l'adjoint de la culture de Marseille, Jean-Marc Coppola, pour mettre en place une politique dans la logique des droits culturels. Donc, ça a été vraiment l'axe de nos actions au niveau du secteur et de la mairie. Donc, concrètement, ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a voulu mettre en lumière les cultures urbaines qui, à Marseille, sont extrêmement importantes, mais qui étaient méprisées, je dirais, peu mises en lumière, alors que Marseille est souvent vue comme la capitale du rap, notamment. Et il y a 5 piliers du hip-hop hein, que vous connaissez peut-être, le street art, le rap, le DJing, le beatboxing et le breakdance. Et notre idée, c'était vraiment de mettre en lumière avec les acteurs du territoire. Donc, on a bossé avec plusieurs adjoints et Jean-Marc Coppola, donc la mairie de Marseille. Donc, d'ailleurs, je salue Christian Nocunson, l'adjoint de la mairie du 2e et 3e arrondissement, qui est aussi présent là aujourd'hui parmi nous. On est allé voir dans tous les secteurs les différentes associations et structures du hip-hop.
les acteurs qui sont importants à Marseille. Et on leur a tous demandé, de façon avec une posture d'humilité, voilà, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse pour mettre en lumière les cultures urbaines à Marseille ensemble. Donc, ça a amené à co-construire pendant plusieurs mois. C'était très compliqué parce que c'était intersecteur. Un événement qu'on a appelé, alors c'est pas un événement, c'est une action qu'on appelle Hip Hop Non-Stop, qui a pris la forme d'un temps fort qui était un festival pendant 3 jours dans le plus beau théâtre de verdure de Marseille. Mais avant tout, c'est non-stop parce qu'on dit que c'est pas un festival, ça dure toute l'année, avec des actions qui vont s'inclure dans des ateliers en cultures urbaines partout sur le territoire. Donc c'est vraiment l'ambition sur les années à venir, et avec ce temps fort qui permet justement aux collectifs, aux artistes, de s'exprimer sur une magnifique scène avec des professionnels. Et donc voilà, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de co-construction et qui va durer tout le temps de notre mandature et au-delà si on reste. Donc ça, c'est le premier exemple, Hip Hop Non-Stop. Ensuite, un autre exemple, donc j'ai mis en place au niveau de ma mairie de secteur sur un quartier, un festival qui s'appelait Oh ma parole, pour donner et prendre la parole justement autour de la poésie, de l'oralité, du conte. Et ça, c'était au cœur d'un quartier sur une place de village, dans l'esprit de l'itinérance poétique, avec une caravane qui était l'emblème du festival. On a co-construit ça avec un collectif d'artistes pour imaginer la programmation. On a fait bosser 80 à 90 artistes du territoire. Et surtout, on a bossé avec les écoles, les centres sociaux et les habitants, les commerçants, tout le long de 3 semaines, dans l'idée d'infuser sur le territoire et de ne pas être dans un mode de consommation. Mais on a fait avec eux, on a fait des déambulations, il y a eu plein de scènes ouvertes dans différentes formes de paroles, d'oralité. Et donc, ça a été vraiment cette idée, et pour moi, qui est extrêmement forte au niveau militantisme sur les droits culturels. Et ça, on va le refaire cette année, en principe. Donc ça, c'est le deuxième exemple très concret. Troisième exemple, c'est qu'on est allé au cœur de tous les quartiers avec des événements qu'on a appelés Culture au Jardin et Avant le Soir. Et là, on a fait bosser plein d'artistes du territoire pour avoir des spectacles offerts dans les quartiers, aux habitants, et créer du lien aussi dans les jardins, avec les habitants, ceux qui ne partent pas en vacances, etc. Donc ça, c'est le troisième exemple. Et je vais peut-être m'arrêter là parce que je ne vais peut-être pas monopoliser la parole. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'on est vraiment dans cette logique et on expérimente au quotidien ce que ça signifie au niveau démocratie culturelle et droit culturel. Et on continue de plus en plus à réfléchir ensemble, en collectif d'élus, à cette problématique qui est essentielle. Parce que comme disait tout à l'heure, ça a été dit plusieurs fois, chacun est porteur de culture, il n'y a pas de sous-culture. D'ailleurs, mon intitulé, ce n'est pas adjoint à la culture, c'est aux arts et aux cultures avec des S, parce qu'on est vraiment dans cette idée de mettre en lumière toutes les formes de culture, de donner la parole et d'être dans l'éducation populaire. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous faire part. Merci beaucoup, Cédric, pour ce témoignage. Et ça fera le lien du coup, avec les collectivités territoriales. Je vais leur poser un peu cette question. Qu'est-ce que vous avez pu retenir de ces échanges? Est-ce que le témoignage de Cédric peut faire aussi le lien avec la question de la co-construction des politiques culturelles avec les habitants? Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous pour ce projet partagé? Alors, peut-être qu'on peut commencer par Guy Chen, qui est représenté là aujourd'hui par Mathieu Chanel, élu politique. Est-ce que vous pouvez nous dire du coup ce que ça vous apporte? Puis ensuite, on donnera la parole aux autres collectivités territoriales. Donc, c'est Guy Chen, c'est pas Guy Chen, c'est Guy Chen. Guy Chen. Toutes mes excuses. On fait souvent l'erreur. Donc oui, Mathieu Chanel, adjoint à la culture de Guy Chen. Je trouve ça assez enrichissant, comme à chaque fois on commence juste l'expérimentation avec la NCT, mais à chaque fois ces échanges pour nous sont enrichissants parce que on est une commune rurale, on est à peine 10 000 habitants, donc on est un petit territoire. Moi je trouvais ça hyper intéressant l'intervention de Jean-Michel, ça a fait beaucoup d'écho à ma vision de ce que doit être la culture sur un territoire. On a inauguré il n'y a pas très très longtemps une nouvelle médiathèque dans la commune, et dans le discours d'inauguration, j'interrogeais mes collègues élus, députés, etc., sur comment être éclairé pour construire une politique culturelle qui donne soif d'humanité, qui donne soif d'altérité et de vivre ensemble. Donc voilà, il y a eu beaucoup de résonance là-dessus pour moi. On est sur une commune où on n'a pas beaucoup d'argent. C'est vrai que j'entends bien le fait que les collectivités doivent soutenir les initiatives culturelles. Quand je suis arrivé sur la délégation, le budget pour la programmation culturelle au sens large, c'est 17 000 euros. Donc autant vous dire que
Avec ça, on ne fait pas grand-chose. Donc, voilà, on essaye de… Nous, un des gros enjeux aussi de ce travail, c'est aussi d'aller chercher des financements pour pouvoir… développer ce temps de concertation et puis de développer une vraie politique culturelle. Et un petit témoignage d'élu, c'est vrai que la notion du vivre ensemble a été vraiment un peu mise à mal avec le confinement, je trouve. On est confronté assez quotidiennement en tant qu'élu à beaucoup d'agressivité des habitants entre eux. Les gens sont très tendus, je trouve, en ce moment. Et moi, je suis persuadé que la culture peut apporter justement une dose d'humanité pour qu'on ait envie de vivre ensemble et qu'on ait envie de partager des choses ensemble. Et c'est un peu l'objet de la politique qu'on a envie de mener sur ce territoire. Et donc, Mais se donner le temps aussi, c'est pareil. Moi, je suis aussi un fervent adepte du temps long. D'ailleurs, nous, on est une équipe avec un projet politique. Pas que sur la culture, mais sur toutes les thématiques qu'on peut gérer, sur comment travailler le plus possible en concertation. Et on est en train de mettre en place aussi une commission du temps long pour envisager notre commune dans les 10, 20, 30, 40, 50 années à venir, composée d'habitants, d'acteurs locaux. Donc, c'est des choses qui sont en train d'être mises en place aussi. C'est des moments que je trouve vraiment, en tout cas, riches pour moi qui suis élu, jeune élu sur ce poste-là. Je trouve ça très enrichissant. Merci Mathieu. Je me tournais plutôt là vers Mantes-la-Jolie avec Adélaïde, qui est directrice des stratégies culturelles, sportives et associatives. Est-ce que ce que vient de dire Mathieu fait écho aussi à ce qui se passe à Mantes-la-Jolie et puis concrètement sur ce webinaire qu'est-ce que ça a pu vous apporter dans le cadre de votre projet Action Culturelle? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Oui, alors de mon côté à Mantes-la-Jolie, au niveau des Assises de la Culture et de tout ce qui a pu être dit, en tout cas, je peux dire que ça nous a rassurés en fait sur la démarche qu'on est en train de mettre en œuvre. En fait, tout ce qui a été explicité jusqu'à maintenant et expliqué fait plutôt écho avec toute la démarche de concertation citoyenne pour la culture qu'on a prévue, qu'on a organisée sur ces prochains mois. Donc, Mantes-la-Jolie, c'est un territoire de 45 000 habitants qui se situe à la frontière de la Normandie et de l'Île-de-France, avec un territoire très, très contrasté, justement, avec une grosse fracture entre un centre-ville plutôt bourgeois et un gros quartier politique de la ville, peut-être même… On se targue souvent d'être la plus grosse ZUP de France. Donc, voilà, donc on a vraiment un enjeu de fracture très important qu'on veut justement, auquel on veut s'adresser vis-à-vis de cette démarche. Donc moi, je voudrais redire que en fait, concerter les habitants sur la culture, ce n'est pas du tout encore très intégré. Je rends à César ce qui est à César. C'est une idée de mon élu délégué à la culture, qui est arrivé suite aux élections l'année dernière avec cette idée de faire une concertation citoyenne pour la culture, pour redéfinir la politique culturelle des 6 prochaines années à Mantes-la-Jolie. Et vraiment, je trouve ça intéressant parce que souvent, les concertations ont plutôt trait à des projets d'aménagement, mais on pense très peu à la culture. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez original. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant que ça ait trouvé un écho avec le projet de territoire en commun avec la ANCT plutôt qu'avec le ministère de la Culture. C'est quand même assez intéressant à mentionner. Et donc, pour moi, le portage par les élus, justement, il est important, déjà pour que ça soit porté, que ça soit compris et intégré par les habitants. Et donc, nous, en fait, on a déjà commencé à travailler ensemble. C'est-à-dire que notre démarche de concertation citoyenne, elle est portée par 6 élus. Donc, ça fait écho à ce que disait la personne qui intervenait juste avant, l'élu de Marseille, excusez-moi d'avoir mouché votre nom. Donc, nous, on a vraiment 6 élus qui ont commencé à construire la démarche des assises avec les services. Et on a assez tôt associé les associations pour que ce ne soit pas seulement un projet porté par l'institution mairie, ville, mais aussi par la société civile. Donc, notre concertation citoyenne, elle va se dérouler en 3 axes. Le premier, c'est la concertation citoyenne. Donc là, on va vraiment s'adresser aux personnes. Comme le disait Monsieur Mika, c'est vraiment… On va vraiment s'adresser aux personnes, aux individus, pour que chacune puisse s'exprimer. Ensuite, on organise aussi un deuxième volet autour des rencontres professionnelles et associatives, où là, justement, ça fait écho à la notion de territoire zéro concurrence, puisqu'on veut vraiment que les acteurs se rencontrent régulièrement et se re-rencontrent presque et réapprennent à faire connaissance, parce que
la période de Covid a fait, voilà, a refait, remis en avant les concurrences. Donc vraiment, là, on veut vraiment qu'ils se retrouvent les uns les autres, les acteurs culturels. Et enfin, on a un troisième volet de la concertation tourne autour de la programmation. Et là, peut-être les programmateurs vont crier s'il y en a parmi les auditeurs, mais en tout cas, on veut que la programmation serve peut-être presque de prétexte, en fait, à la rencontre dans les assises. Et donc, pour conclure, je dirais que pour moi, peut-être j'ai une réaction par rapport aussi à ce qui a été dit plus tôt, c'est que pour moi, les lieux culturels, on ne peut en effet pas s'en passer. Et pour moi, ils peuvent justement devenir des lieux de ressources et des lieux de rencontres. Et c'est plutôt vers ça qu'ils doivent se diriger, en fait. On ne doit plus aller faire venir les gens, mais on doit arrêter de faire pour les gens, mais on doit vraiment essayer de construire avec eux. Merci beaucoup, Adélaïde. Je vais partager directement la parole, là plutôt vers Niort, avec Marine Jacquet, qui travaille à la direction du service culture, et pour vous poser la même question, hein, par rapport à ce que viennent de dire Mathieu et Adélaïde, est-ce que ça fait écho à Niort, et qu'est-ce que ça vous a apporté ce webinaire? N'hésitez pas à allumer votre micro. Et bien peut-être en attendant que Marine Jacquet se connecte, on va aller du côté de Bourges et on va aller voir du coup plutôt Sandrine qui est directrice des affaires culturelles. Et pour vous poser également la même question, si vous êtes parmi nous et en attendant que Marine se connecte, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre témoignage par rapport à ça? Oui, bonjour, merci à tous. Je vais parler pour Bourges en essayant de respecter les 3 minutes imparties. Un des intervenants parlait d'André Malraux tout à l'heure. En 1963, André Malraux est venu inaugurer la Maison de la Culture. Alors, il y a un gros débat, est-ce que c'est la première, est-ce que c'est la deuxième? On ne va pas trancher aujourd'hui, mais... Malraux, il anticipait déjà la décentralisation culturelle en 63, il y a 60 ans d'un côté. Et le bâtiment dans lequel cette maison a été inaugurée, c'était l'ancienne maison du peuple. Donc, on avait déjà la thématique de participation et de décentralisation culturelle. Si on se place 60 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé à Bourges? Alors, il y a eu un printemps, il y a eu une école nationale supérieure d'art. Il y a une friche qui a été un squat aussi au départ, mais comme beaucoup de friches qui ont réussi, elle s'est institutionnalisée et c'est très bien. Elle s'est professionnalisée, elle sait très bien. La génération des squatteurs, ils sont en train de partir en retraite. Et les petits nouveaux qui arrivent, ils rentrent dans une institution, ils ne rentrent pas dans un squat, ils ne rentrent pas dans une friche. Et c'est très bien aussi. Il y a eu un changement de municipalité en 2020, un changement de majorité. La nouvelle équipe municipale a annoncé tout de suite 2 choses importantes qui nous concernent ce matin. D'une part, la création d'une mission sur la démocratie participative qui n'était pas prise en tant que telle. Voilà. Donc, il y avait cette création de mission. Et puis, le lancement d'une candidature pour que Bourges soit capitale européenne de la culture en 2028. Avec un objectif avoué du maire et de la présidente de l'agglomération de donner à cette candidature 2 tonalités, d'une part une dynamisation sociale de la ville et d'autre part un développement du territoire, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une candidature culturelle, c'est un projet de territoire. Dans la foulée, le maire de la ville et le maire adjoint en charge de la culture, qui ne peut pas être parmi nous ce matin, avaient 2 axes de travail qu'ils nous ont demandé de développer. D'une part, ils ne voulaient plus que la ville fasse. Alors, on aidait déjà beaucoup à faire, mais par exemple, on faisait des programmations de spectacles vivants. La nouvelle équipe a demandé qu'on en change. Et le deuxième axe, c'était de repenser, je crois que ça a été aussi évoqué par un des intervenants, la politique de subvention, c'est-à-dire de se rappeler que la subvention, notamment par rapport aux associations, avec des toutes petites associations qui ont une vocation de pratique amateur à des grandes associations, que la subvention culturelle restait un outil de développement et pour les villes, pas simplement le moyen de financer des bâtiments ou de l'électricité.
Donc, tout ce qui a été dit ce matin et surtout le programme Territoire en commun, bah, pour nous, il arrive au bon moment. D'abord parce que donc une mission démocratie participative est créée. La direction de la culture existait déjà depuis que la ville existe, mais on n'avait encore jamais trouvé l'occasion de travailler ensemble. Donc, ça nous oblige en ce moment de se mettre à travailler ensemble. Alors, nous, ça nous aide parce qu'on a déjà la mission qui est là. Et puis, je pense que nous, on rend peut-être service aussi à cette mission pour en donnant du corps avec un sujet particulier. Aussi parce que ben, c'est toujours pareil, il y a une direction de la culture. Ce qu'on ne touche pas, c'est les noms publics, c'est ceux qu'on ne connaît pas, donc c'est ceux qu'on aimerait faire participer. Et ça, je pense que c'est toujours à relancer, quoi. Je veux dire, je repense au squat. Je veux dire, au début, les squats, c'est parti de ça. Et puis, c'est normal. Quand ça réussit, ça s'institutionnalise. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps repartir. Donc, ce programme arrive au bon moment. Si je devais mettre un bémol, ça serait que il faut qu'on arrive à travailler différentes temporalités. Alors, il y a la temporalité de la mission. Il y a la temporalité du projet culturel qui avait déjà été commencé à être travaillé avant le lancement de ce programme. Et puis, il y a la temporalité d'une candidature capitale européenne de la culture avec un gros pilier qui est sur la participation citoyenne, donc c'est attendu, mais il y a une autre temporalité puisqu'on va être candidat jusqu'en 2023 et qu'on sera en 2023, si c'est Bourges ou si c'est une autre ville qui est retenue. Et puis, juste pour terminer, je voulais vous dire que moi, ce que j'apprécie aussi dans ce programme et dans ce qu'on évoque ce matin, c'est que je parlais de Malraux tout à l'heure. L'ANCT, une des originalités du programme, c'est qu'on ait quatre villes à expérimenter les choses et qu'on se parle à l'horizontale, quoi. Il n'y a pas simplement, Dieu sait si l'ANCT n'est pas verticale, ou en tout cas, elle est peut-être un peu moins que le ministère de la Culture. Mais voilà, on a une maturité maintenant de la décentralisation qui fait qu'on est aussi capable, surtout quand on est aidé par un opérateur, à travailler ensemble. Et nous, en plus de ça, on le fait avec d'autres villes à l'occasion de cette candidature, puisque par exemple, la ville d'Avignon a fait alliance avec la ville de Bourges. Et on se dirait aussi que c'est pareil. Avignon, ça paraît très, très loin de Bourges. Et c'est un peu comme Guichen, Niort ou Mantes-la-Jolie. C'est qu'à la fois, on est complètement différents, sauf que n'empêche, on se retrouve sur plein de points communs. Donc, on va travailler avec Avignon, notamment sur cette thématique de participation culturelle. On va travailler aussi avec des villes qui sont du département du Cher et de la région et avec des villes d'ailleurs, par exemple, comme Nevers. Donc, voilà, pour Bourges, on s'est complètement retrouvés par rapport à tout ce qui s'est dit ce matin et je remercie tous les intervenants. Merci beaucoup, Sandrine. Et c'est vrai que cet enjeu d'horizontalité entre les différentes collectivités territoriales est important pour mettre en œuvre des projets concrets et adaptés au contexte local. Je vous remercie toutes et tous. Il est déjà midi, le temps passe très vite. Et ce que je peux juste vous dire, c'est qu'on a bien retenu aussi toutes vos questions dans le chat. Malheureusement, c'est un peu frustrant, ces temps d'échange de webinaire font qu'on ne pourra pas poser les questions à tous les intervenants, que je remercie par ailleurs. Merci aux différents intervenants et intervenantes de ce webinaire. Et je laisse la parole du coup à Mathieu Angotti de l'ANCT pour conclure et dire un mot de la fin. Merci à toutes et tous. Je crois que Mathieu, il est pas disponible, donc je vais prendre la parole. Bonjour à tous. Merci aux intervenants, aux collectivités qui sont engagées dans le projet partagé. Je suis Morgane Muraski, du coup, je suis aussi animatrice du dispositif Territoire en commun. Pour conclure, je voulais simplement vous dire que ce type de webinaire ou de rendez-vous, de rencontre, on allait les faire tout au long du projet partagé. Là, c'est l'ouverture du coup sur des concepts de droit culturel et comment fabriquer avec les habitants. Et puis ensuite, quand les collectivités auront du retour d'expérience sur ce qu'elles vont faire, chacun expérimenter dans leur terrain, on pourra reproduire ces webinaires en fonction des spécificités qu'on aura identifiées dans chaque territoire, des besoins concrets. Et on pourra reproduire ça en webinaire, en présentiel, sur d'autres types d'animations ou alors faire des vidéos et les diffuser sur la plateforme Territoire en commun.
sur laquelle d'ailleurs n'hésitez pas à venir vous connecter ou même sans vous connecter, sans créer de compte, vous pouvez poser vos questions, nous contacter à NCT pour poser voilà, vos questions et nous ça nous sert pour développer nos accompagnements et tous les projets dans les territoires. Voilà pour conclure. Merci beaucoup.